Est-ce que je dois arrêter YouTube? J'ai envoyé un Google Form à quelques petits YouTubeurs que je connais pour savoir ce qu'ils pensaient de moi. Oui, j'ai repris le concept de Mastu. J'espère qu'il m'en voudra pas. Il ne tombera jamais cette vidéo, donc on s'en fout. Bon, en soi, j'ai rien d'autre à dire, sauf un truc. Déjà, la semaine prochaine, je réagirai à vos vidéos, comme je l'avais mis en story, etc. Si là, vous attendiez que ça soit ce soir, non, je l'ai très bien dit, c'est la semaine prochaine, mais vous verrez. Et on est parti, les refs, après l'intro, on commencera le premier YouTubeur. Attends, c'est moi, t'as oublié de mettre le like, fais-le vite, abonne-toi. Salut, beau gosse. Et oublie pas la cloche. Ouais, la cloche, putain. Pour le tout premier, on a Mark Eicher, c'est un putain de youtubeur, je le kiffe de fou. Ses vidéos sont vraiment cool et dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos avec lui à l'avenir. Déjà pour commencer, une note sur 10 pour ma chaîne, il a mis un 7. En vrai de vrai, c'est beaucoup plus que la moyenne, mais moi ça me passe 7. Hein. Et j'ai encore beaucoup à m'améliorer, je peux largement monter à 100% bientôt. Tu m'as connu comment? Sur une de tes vidéos par hasard. Merci les recommandations YouTube, merci le taux de clic et le watch time qui est de mieux en mieux, merci. Voudrais-tu m'inviter dans un futur concept ou projet? Carrément, bah putain, Mark Eicher, il est chaud de fou. Donc les gars, peut-être que vous me verrez sur sa chaîne prochainement. Donc, allez vous abonner. Et abonnez-vous à moi aussi. Le plus gros problème de ma chaîne, faudrait peut-être changer la bannière en mode plus propre. Putain, j'avoue, putain, ma bannière, elle est comment déjà? Il me semble que c'est la bannière de l'ancien studio. Faudrait que je le change. Ah ouais, j'avoue que c'était mon ancienne bannière. Enfin, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais c'est au moment de l'ancien décor. J'avoue, faudrait que j'y change. T'as bien raison, Mark Eicher. Ça se trouve, je prononce ultra mal ton nom, frérot, et je suis vraiment désolé. Qui court le plus vite? Aucune idée, ça se tape fort. En vrai, oh, aucune idée, ça se tape fort. Tu penses que je suis le même hors cam? Oui, c'est sûr, vu comme t'es à l'aise. Oh, Julia, merci. Mais en vrai, ouais, j'avoue que je suis vraiment quelqu'un, je suis pareil dans les vidéos et en vrai. Donc si vous me voyez en vrai, vous verrez que voilà, il y a des jours où bien sûr je n'irai pas bien, il y a d'autres jours où je serai plus joyeux. C'est normal les refs. Tu connais Jean-Marc Emmanuel? Nom des eaux. Non, écoute-le pas, on s'en fout, il t'aime bien en vrai. Qui aura le million en premier, toi? Aïe, aïe, aïe. En espérant que déjà, il y en a un nous qui l'atteigne déjà. Que je devrais améliorer ta bannière. Encore une fois, j'avoue. Bon là, du coup, c'était un peu la même question, mais voilà. Participer à d'autres concepts sur ma chaîne, il est chaud. 250 likes, je pense que je referai un épisode où on prendra d'autres youtubeurs. Mais voilà, 250 likes, donc abonnez-vous et mettez la cloche et mettez le petit like. C'est des réponses très très rapides, donc on va passer à la prochaine personne. Les Ro en deuxième, Marico, j'avais fait une vidéo avec lui. Donc voilà, Marico, vous le connaissez pour ceux qui sont là depuis un petit moment sur la chaîne, les nouveaux. C'est un gars super qui a réussi à bien percer sur YouTube très très vite. Déjà, il a noté ma chaîne 9 sur 10. Wesh, c'est incroyable. 9 sur 10, tu m'as connu comment? Car on s'aime. Ah, Marico, moi aussi je t'aime. Voudrais-tu m'inviter dans un futur concept projet? Carrément. Bah Marico, oui, logique hein. Comment ça? Attends, je viens de lire le commentaire d'en dessous. Le plus gros problème de ma chaîne, ton béret. Wouah! Pourquoi frérot? Mon béret, c'est ce qu'il fait moi-même. Qui court le plus vite? Aucune idée, ça se tape fort. Ouais, j'avoue, faudrait que je vienne sur Paris et qu'on se fasse une course. Ouais. Tu penses que je suis le même hors cam? Oui, bah oui, du coup, on a parlé hors cam, etc. Donc oui. Il le sait. Tu connais Jean-Marc Emmanuel? Mais c'est un truc de fou. Mais pardon, mon frérot, mais personne le connaît. Qui aura le million en premier? Moi, MDRRR. On verra, mec, on verra. Est-ce que je dois améliorer la qualité visuelle? Ah ouais? Ma caméra, elle pue la merde. Moi, j'étais content de ma cam, moi, je la trouve cool. Participer à d'autres concepts sur ma chaîne, je suis chaud. Et par contre, pour le million, je suis pas d'accord, mec. J'aurai le million avant, mais je t'aiderai à avoir ton million ensuite. Troisième youtubeur, peut-être qu'il y en a un quatrième, je ne sais pas. Et on passe au troisième youtubeur qui est le roi Arthur. Eh, la tête de homme les frères, c'est un québécois. Vous ne le connaissez probablement pas parce que vraiment nos deux chaînes sont très différentes. Mais vous allez être outré de la qualité de ses vidéos. Allez check, c'est vraiment incroyable, toutes les chaînes sont dans la description. Et c'est un truc de zinzin frère. Lui par contre, il va être très honnête dans ses réponses je pense. Parce que même quand on parle et tout, c'est quelqu'un d'honnête. Et en vrai je kiffe ça de fou, ça permet d'avancer beaucoup plus vite, c'est trop bien. Une note 10 pour ma chaîne 6. Bon en vrai c'est plus que la moyenne, moi personnellement ça me va. Et puis comme je sais que lui, les vidéos que je fais, c'est pas trop ce qu'il regarde à la base, bah on se dit ça comme une bonne note en vrai. Tu m'as connu comment? Sur TikTok en live grâce à ton pseudo qui est accompagné de YouTube. Putain c'est vrai, il était en live sur TikTok. Voudrais-tu m'inviter dans un futur projet concept? En vrai te faire collaborer dans une des futures vidéos, ça pourrait être cool malgré le fait que je fasse rarement des feats. Ouais c'est vrai que lui, il est plus genre des petites apparitions de plein de personnes différentes plutôt que une vidéo entière. Wow. Plutôt qu'une vidéo entière avec une personne. Donc en vrai je comprends tu vois. Le plus gros problème de ma chaîne, wow, il a mis un gros texte. Pas toutes tes vidéos mais je trouve que certaines manquent peut-être de structure, notamment on a acheté un hôtel qui était une vidéo délire entre potes, ce qui en soi au premier regard ne paraît pas comme un défaut, mais je trouve que quelques-unes de tes vidéos sont trop centrées sur des running gags entre potes, ce qui fait en sorte que moi en tant que spectateur je ne comprends pas forcément. Je fais également mention à Tu rigoles tu perds 100 euros qui comme je t'avais dit est un concept qui est bon, mais à mon avis pour ce premier épisode un peu trop centré sur des gags seulement comprendre
compréhensif pour toi et tes amis. Ouais, en vrai, je comprends les frères. Ça a été une petite erreur que j'ai fait. Même si vous l'avez kiffé, hein, la vidéo, tu rigoles, tu perds ça en roue avec Ethan. Même si vous l'avez kiffé de fou, j'avoue qu'avec du recul et en la regardant, je vois plus ça maintenant comme un délire avec moi et Ethan que des blagues, genre une joke de papa que les gens peuvent comprendre. Tu vois, là, y a personne qui peut comprendre. Ils peuvent juste rigoler parce qu'ils aiment les cris forts ou des trucs comme ça, mais c'est la seule raison, tu vois. Mais en soi, elle vous a plu, donc moi j'ai kiffé. Mais pour les prochains épisodes, parce que oui, il y en aura, je ferai plus qu'il y ait des vannes plutôt que des private jokes. Voilà. J'avoue que c'est un putain de problème ça sur ma chaîne. J'avoue que la vidéo on a acheté un hôtel, c'était le but de la vidéo, que ça parte n'importe comment, que ça soit des délires, qu'il y ait aucune structure, que ça soit vraiment what the fuck. Mais j'avoue que là tu rigoles, tu perds. Je voulais vraiment que ça soit encadré et tout. Et au final, bah le résultat, même si la qualité est belle, il y a deux angles de caméra et tout, ça rend super bien, c'est incroyable. Mais j'avoue qu'en vrai, non, j'ai fait une petite erreur. Qui court le plus vite? Aucune idée, ça se tape fort. Ouais, j'avoue. Faudrait que je vienne au Québec. Faudrait que ouais, je vienne à Montréal, lol. Je vais arrêter parce que c'est raciste. Tu penses que je suis le même hors cam? Je pense que oui. Il doit y avoir une légère différence, mais ta vibe est insane. Ah ah, putain, mais quel beau gosse, les mecs. Non, mais je vous jure, vraiment, allez voir son contenu. Vous allez vraiment être choqué premier degré. Hein. Tu connais Jean-Marc Emmanuel? Ah, ça me fait plaisir que lui il connaisse, tu vois. Lui, ça me fait plaisir parce que, hein, je pensais pas qu'il regardait à ce point-là la chaîne. Le roi Arthur. Qui aura le million en premier? Moi, MDR, c'est bien. Parce que lui, je sais très bien que là, il a commencé sa chaîne il y a 6 mois. Du coup, maintenant, il fait des vidéos de fou. Il a 1000 et quelques abonnés. Et à un moment, ça va percer, tu vois. À un moment, ça va percer de fou. Donc, je pense que oui. Mais si moi, je continue comme ça, parce que là, la chaîne, vraiment, elle fait de plus en plus vite en montant, bah, il y a des chances que j'ai le million en premier. Mais ça, on verra. Que je devais améliorer. Comme je t'avais dit précédemment, faire des vidéos que le public comprendrait plus, outre que les running gags entre potes. Sinon, honnête, ma chaîne 6 sur 10 peut paraître médiocre, mais en vrai, c'est pas le type de contenu qui normalement me fait kiffer sur YouTube. Moi, tu vois, mes vidéos que je préfère de toi, c'est plus des vidéos en face cam, comme je déteste la Saint-Valentin ou je déteste Noël. Mais sinon, je trouve que la chaîne a un énorme potentiel car tu dégages une bonne énergie. Et je pense que c'est l'une de tes forces, car malgré le fait que ce n'est pas vraiment ce type de contenu que je regarde sur YouTube, on s'attache à toi et on peut qu'apprécier tes vidéos. Longue vie à ta chaîne. J'espère te voir dans une ascension fulgurante comme j'avais prévu de l'avoir. Participer à d'autres concepts sur ma chaîne, je suis chaud. J'avoue, il faudrait que je l'invite. Mais là, il faut que j'invite trop de monde sur la chaîne. Donc, je pense faire des concepts où on sera vraiment beaucoup sans que tout le monde doive parler avec tout le monde, tu vois. J'ai vraiment dit doivent. Je voulais en faire que 3 à la base. Mais je me dis qu'une petite dernière personne, ça pourrait être cool. Et puis, ben voilà. En dernier, les gars, on va regarder un youtubeur, un petit youtubeur que je regardais avant. J'étais en mode, comment ça se fait qu'il a aussi peu d'abonnés par rapport à la qualité qu'il produit? C'est Sohan, les frères. Combien il note ma chaîne? 7, 8. 7,5 sur 8, ça veut dire. Putain, c'est stylé. Fait 3 quarts de la note, c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai jamais eu ça en cours. Carrément, c'est fou. Tu m'as connu comment? T'es venu me voir sur Discord. Je sais plus si c'était ça ou si c'était par rapport à un groupe Instagram. Mais ouais, je crois que ça venait de Discord. J'étais allé venu le voir pour pouvoir lui parler et tout de YouTube et potentiellement des vidéos ensemble et tout, c'était hyper cool. Ce gars là est vraiment hyper cool. Voudrais-tu m'inviter dans un futur concept projet? On se connaît pas encore, mais pourquoi pas. J'avoue, en vrai, on a plus parlé YouTube et tout ce qui est statistiques et tout, même des trucs par rapport à d'autres youtubeurs et tout, et c'est quand même drôle. Et putain, c'est vrai qu'il faudrait qu'on se parle plus et que je vienne. Je sais plus où t'habites, mais je vais pas le dire dans tous les cas. Mais faudrait que je vienne pour qu'on se tourne un petit truc, tu vois. Le plus gros problème de ma chaîne, je trouve qu'il serait bien que t'aies un micro pour une qualité sonore plus confortable. Non, mais ouais, peut-être qu'il a peut-être regardé que mes vlogs. Parce que dans mes vlogs, j'ai juste que le micro de l'iPhone. Ouais, il y a des chances qu'il a regardé que mes vlogs. Qui court le plus vite? Toi, c'est sûr, MDR. Waouh, moi je suis trop rapide. Moi je vais à 3-4 max. Tu penses que je suis le même hors cam? Bonne question, je te connais pas encore assez. Mais en vrai, je pense que oui. Par exemple, tes vidéos avec tes potes, t'es plus toi-même. Putain, j'avoue. En vrai, de vrai, la vidéo avec Ethan, même si j'étais encadré dans ma tête, c'est en mode on tourne une vidéo. Donc on dit pas non plus trop de la merde. Et bah ouais, j'avoue qu'en vrai, je suis comme ça en vidéo ou pas. Là, j'aurais pu avoir plus d'énergie, tu vois, je viens de me lever. Mais je trouve que cette vidéo elle mérite d'être plus chill et d'être tranquille que de faire oh what the fuck. Oh, il m'a dit qu'il courait plus vite que moi. Oh what the fuck. Je connais Jean-Marc Emmanuel, nom des os, mais putain, mais personne le connaît. Mais pardon Jean-Marc, pardon. Qui aura le million en premier toi? Bah en soi oui, ça sera moi si tu fais moins de vidéos que moi et etc. Ah, ça se trouve ça sera toi, tu vois. S'il y a une vidéo qui perce, on sait jamais. Ce que je devrais améliorer, le son, meilleur micro et peut-être la bannière, sinon rien d'autre. Bah en vrai le son, dites-moi en commentaire si vous le trouvez good. Moi en vrai je le trouvais bien, mais bah apparemment non. Et la bannière, en vrai oui, la bannière oui, comme il m'avait dit Marc Eicher, il faudra que je change la bannière et je vais essayer de faire ça le plus vite possible, même si c'est quand même chaud à faire, tu vois. Il me faut quelques heures, même plus, pour faire une bannière, ou alors je contacterai quelqu'un, mais on verra. Participer à d'autres concepts sur ma chaîne, je suis chaud. Faudrait que je vous invite tous là, les 4 personnes, faudrait que je les invite.
Waouh, c'était incroyable en vrai de vrai de savoir ce que les gens que je côtoie ou même que je parle très peu mais qu'on a déjà parlé par rapport à YouTube et tout pensent de moi. Des avis outre que les abonnés peuvent avoir de ma chaîne, tu vois. Donc là, ce que je dois changer, c'est la qualité du micro, ce que j'ai bien compris. Et la bannière, il y a déjà eu 2 personnes pour la bannière qui me l'ont dit en 4 personnes. Donc oui, faudra que je change ma bannière. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. 250 likes, je ferai un nouvel épisode. Je chercherai des plus gros youtubeurs que vous connaissez probablement. Là, j'avoue que c'était plus une vidéo avec des gens que je connaissais moi. Mais vous pouvez en connaître plein, comme Mark Eicher ou Mariko, même Sohan ou le roi Arthur. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo sur Facebook, Twitter. Salut, bande de beaux gosses.